J'ai été accusé de plagiat et ça m'a tellement paralysé que j'ai été contraint d'arrêter mon blog sur la danse qui me rapportait 2000 euros par mois. En particulier, à l'époque, je venais de créer un livre sur les étirements qui avait super bien marché et tout le monde me demandait plus de conseils pour mieux danser. Du coup, bah, moi, fort de ça, je me dis, bah, et si je lançais une série de vidéos sur la danse? Du coup, je commence à faire une première vidéo, je la publie et là, je reçois un message de ma prof de danse de l'époque. Ok, je vais avoir un appel avec toi et tes parents ensemble demain matin. Ok, d'accord, bon, bah, certainement pour une bonne nouvelle. Et pendant l'appel, ma prof, elle commence à faire, oui, mais j'ai jamais vu ça, mais c'est scandaleux. Un jeune de cet âge qui fait ça, mais j'ai jamais vu. C'est du pur et simple plagiat, il a plagié tout mon cours. On se regardait, on était là, mais c'est irréel ce qui se passe. Et du coup, avec le recul, je me rends compte que tout ce qu'elle m'a dit était complètement faux. C'est-à-dire que c'était pas du plagiat, parce que si vous avez déjà pris un cours de danse, les conseils sont relativement répétés entre tous les professeurs, et surtout tout ce qu'elle disait en cours, tu peux le lire dans des livres. Enfin bref, c'était simplement une crise d'ego de sa part. Moi, je m'en étais pas rendu compte, je me disais, mais oui, mais je suis un homme horrible, etc. Et du coup, j'ai juste stoppé mon blog sur la danse, et c'est fini comme ça. Si tu veux plus d'anecdotes sur mon parcours entrepreneurial, n'hésite pas à t'abonner.